Un soir de l'an 2000, dans une balade nocturne, l'ami Étienne Balmadier voit un objet fragile sous une poussière de lune, un banjo abandonné. Intrigué, il l'emporte, le nettoie soigneusement, lit enfin l'étiquette au dos de l'instrument, cadeau d'un soldat américain. Mort-homme près de Verdun, mort-homme près de Verdun. Ému et bouleversé, cet artiste sculpteur présente sa découverte à Nicolas Bardinet, qui tient avec bonheur le banjo dans ses mains expertes. Dans la Meuse crucifiée de septembre en 18, un soldat étranger dépassait ses limites, jouant du banjo dessous les bombes, creusant sa future tombe, creusant sa future tombe. La couleur de la peau du joueur de banjo, peu importe la nuance, cet homme dont le défaut était que sous un drapeau, il perdait son innocence. Ce banjo, il rend fou de musique et d'amour, qui se souvient de vous qui êtes venus un jour, loin des vôtres et de tous vos copains. Mort-homme près de Verdun, mort-homme près de Verdun. Enfin, les années n'y font rien. Alors laissons couler le gros rouge. Pas le sang des musiciens, ni celui d'un être humain. Peau noire, blanc, jaune ou bien peau rouge. Toi banjo, l'instrument que tenait ce soldat, il est pour chaque enfant, il est signé pour toi. Cadeau d'un soldat américain. Mort-homme près de Verdun, mort-homme près de Verdun. Banjo, l'instrument que tenait ce soldat, il est pour chaque enfant, il est signé pour toi. Cadeau d'un soldat américain. Mort-homme près de Verdun, mort-homme près de Verdun.